Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais par cette vidéo adresser mes sincères remerciements à tout le peuple camerounais et à tout le peuple du département d'Yaoundé, toute la population du département d'Yaoundé en particulier. Merci parce que vous nous avez accompagnés pendant ces moments difficiles. Merci parce que vous nous avez accompagnés en prière. Merci pour votre soutien financier, physique, moral et autres. Merci pour tout en fait, parce que on a réalisé le plus gros rêve de Cabral de son vivant. Il avait un rêve, celui d'organiser un grand spectacle. Et je pense que ce grand spectacle, il a eu et il est content de nous, Camerounais. Merci également à toutes les autorités qui sont déplacés, qui ont fait le déplacement pour Barenté. Parce qu'il faut le dire, depuis que je suis né, moi je suis né et grandi à Barenté, j'ai jamais vu un deuil à la hauteur de celui de Cabral. Un deuil qui a fait déplacer, un deuil qui a déplacé au moins 5 ministres, 5 membres du gouvernement. C'était très beau, belle ambiance à Barenté. On est reparti de là en laissant la maman qui avait déjà un peu retrouvé le sourire. Merci à tous ceux-là qui nous ont aidés. Merci à la population du département d'Yaoundé qui sont sortis massivement. Merci à tous ceux-là qui ont fait le déplacement de tous les 4 coins du Cameroun pour Barenté. La fête était belle. C'était 48 heures d'ambiance, comme Cabrel l'aurait souhaité, en fait. Et comme lui aussi, il aimait l'ambiance. Voilà. Donc, 1000 fois merci, très cher Camerounais. On lui a montré qu'on l'aimait, même si on ne le disait pas tous les jours. Le public lui a donné cet amour-là. Parfois, on peut vous critiquer, c'est juste pour que vous vous améliorez, pas qu'on vous déteste. Mais à travers ces obsèques, j'ai vu que le Cameroun aimait Cabrel. Et j'ai compris qu'on a perdu quelqu'un de cher pour ces pays. Oui, de cher pour ces pays. Parce que c'était un ambassadeur du Cameroun, de la culture camerounaise. Mais sachez que où il est actuellement, où il se trouve, quel que soit l'endroit où il se trouve, il est fier de vous. Et s'il pouvait vous lever et vous dire merci, il l'aurait fait. Donc, merci encore à tous ceux qui nous ont soutenus. Toutes ces entreprises, merci particulièrement aux boissons du Cameroun, pour qui Cabral n'a jamais été ambassadeur. Ouais, merci aux boissons du Cameroun pour le geste. Merci à toutes ces entreprises-là, Tap Tap Sen, tous ces artistes-là qui se sont mobilisés pour arriver à Barenté. Merci à toutes ces entreprises qui nous ont soutenus. Starsat Cameroun, je crois, qu'ils sont tellement nombreux, toutes ces entreprises-là qui nous ont soutenus. Merci vraiment aux bienfaiteurs, aux mécènes, à tous ceux-là qui ont fait en sorte que ce deuil soit assez grandiose. Le comité d'organisation, par ma voix, vous dit merci. Merci. On a réussi à organiser, pour une fois, pour moi, le deuil d'un artiste. Et j'aimerais que ce soit ainsi pour tous nos artistes que nous allons perdre. Parce que des artistes ce sont des génies, ce sont des icônes. On se lève pas un beau matin pour faire des choses que les gens apprécient. Donc j'aimerais que désormais, que ce soit ainsi qu'on rende hommage aux artistes qui vont nous quitter. Merci une fois de plus au ministère de la Culture qui a fait le déplacement pour venir apporter son soutien. Tous les artistes qui ont fait le déplacement, merci. On a eu une très belle fête à Barenté, c'était vraiment beau. C'était beau. C'était beau, c'était beau. Et merci également à tous ceux-là qui m'envoient des messages de soutien, des puissiers, tous ceux-là qui m'ont aidé aussi particulièrement. Voilà. Parce que comme j'ai dit, j'avais perdu le sommeil. Je suis même arrivé à Barenté, j'ai acheté la ceinture. Pour quelqu'un qui ne porte jamais de ceinture. J'ai acheté une ceinture, j'ai perdu des kilos et tout. Mais de toutes les façons, les choses vont se remettre en place
Cabrel est parti, on a accepté. C'est un fait. On ne va plus jamais le voir. On ne va plus jamais le voir. C'est un fait. C'est un fait. Une pilule difficile à avaler, mais que finalement on doit l'avaler. Voilà. Donc, merci à tous ceux-là qui m'ont soutenu. Je reçois vos messages. Vos messages sont tellement nombreux. Je réponds pour certains, d'autres, je n'ai pas d'énergie. Mais je vais vous dire merci par cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux-là qui m'ont également accompagné pendant ces moments difficiles. Merci beaucoup encore à tous ceux-là qui nous ont soutenus financièrement, tous ceux qui ont sorti les 5 francs, toutes ces entreprises-là, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez vu comment on a organisé le deuil, c'était beau, c'était à la hauteur de votre soutien. Donc par ma voix, le comité d'organisation vous dit merci. Et pour conclure, quant aux ragots qui se racontent sur Internet, ça reste des ragots en fait. Ça reste des ragots. Moi, je ne vais pas tomber dans ce piège-là. Je ne vais pas entrer dans ça. Vous allez danser seul. Seul. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci, merci. Merci de m'insulter en commentaire. Je sais, je m'attends. Insultez-moi. Vous aimez voir les Camerounais se diviser. Oh, vous courez. Comme elle dit que Pifo tacle Baron de Suisse. Tout le monde veut voir ce que Pifo a dit. Il a dit qu'il n'est pas dans vos jeux-là. Il n'est pas dedans. Insultez-moi correctement en commentaire. Mais surtout, lavez-vous d'abord avec votre savon Mana. Rassurez-vous que vous n'avez pas les boutons comme moi avant de m'insulter. Es-tu constamment fatigué par ta peau à l'air terne et rideuse? Les taches ou l'acné présentes sur ton visage t'effraient-ils toi-même? L'entreprise de Mana House met à ta disposition le savon Mana, l'ultime solution anti-taches, anti-acné et anti-âge que tu recherchais. Fait à base de collagène, de vitamine C et de lait de kojic pour les peaux noires et naturellement brunes. Disponible dans les parfumeries, les supermarchés, etc. Renseignements et commandes au 659-44-35-49. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.